je n'en sais rien. Pourquoi diable ne le demandez-vous pas à ces femmes au lieu d'entrer chez moi sans crier car comme un recul. Je vous demande mille pardons. À votre âge, il n'y a pas grand mal à être un peu fils comme il est naturel au bien de tenir à ses habitudes. La visite de monsieur votre oncle m'a fait manquer ma méridienne qui je m'étais tout à l'heure assouvi. S'il faut tout dire. Mais que voulez-vous à Blanche? Roger de Damas, je sors d'ici. A dû rebrousser chemin deux fois pour ne pas se trouver pris dans une grande masse de peuple. Le bruit court, ils vont brûler les fugiles réveillant en place de grêle. Il a brûlé. Lorsque le feu est à deux sous, on doit bien s'attendre à ce que le printemps échauffe un peu les têtes. Tout cela passera. Si j'osais me permettre en votre présence de faire carrefour Bussy. Le carrosse, la foule, pardonnez-moi, ce sont là des images qui ont trop souvent hanté mes nuits. On parle volontiers aujourd'hui d'émeutes, même de révolution. Et qui n'a pas vu la nudité dans panique, n'a rien vu. Ses visages à la bouche tordue, ses milliers et ses milliers d'yeux. C'était le soir du mariage du dauphin. Le feu d'artifice commence, et soudain des caisses de fusils s'enflamment. Voilà la panique qui s'empare de la foule. À Grenelle, tout seul, les roues de Pocahontas. Le cocher fouette les chevaux qui s'emballent. On a les pelles, qui les vitres, voilà des clés. Les soldats surviennent à temps pour dégager le carrosse. Quelques heures plus tard, revenu en cet hôtel, votre mère mourut en donnant le jour à Blanche. Monsieur, pardonnez-moi. J'aurais dû me douter, une fois de plus, j'ai parlé comme un étourdi. Ah, c'est ma vieille tête qui s'échauffe, elle aussi un peu vive. Mon carrosse est solide, les vieux chevaux ne s'étonnent de rien. Antoine nous sert depuis 20 ans, il ne peut arriver à votre sœur rien de fâcheux. Oh, ce n'est pas pour sa sécurité que je crains, vous le savez, mais pour son imagination.
trop impressionnable en effet. Un beau mariage arrangera tout cela. Allô, allô, une jolie fille a bien le droit d'être un peu créative. Patience, vous aurez des neveux qui feront les 100 000 diables. Croyez-moi, ce qui met la santé de Blanche en péril, ou peut-être sa vie, ne saurait être seulement la crainte, c'est le gel au cœur de l'âme. Ouais, vous parlez comme un villageois superstitieux. Blanche me paraît le plus souvent naturel et parfois même enjoué. Sa gouvernante seront ici dans un moment. Vous rirez de vos angoisses et elle oubliera les siennes. Vous voulez dire qu'elle en aura été une fois de plus, quitte pour la peur, quitte pour la peur. Quand il s'agit de Blanche, le rapprochement de cette fait frémir. Une fille si noble et si fière, le mal est entré en elle comme le ver dans le fruit. Enfantillage! Blanche, votre frère avait grande hâte de vous revoir. Monsieur le chevalier est trop bon pour son petit lièvre. Ne répétez pas à tout propos une plaisanterie qui n'a de sens que pour nous deux. Carrefour Bussy vient de me dire qu'à travers vos glaces, vous faisiez très bonne contenance. Monsieur de Damas n'a sans doute vu que ce qu'il voulait voir. Réellement, je faisais bonne contenance. Mon Dieu, l'on est peut-être du péril qu'on fatiguée. Voilà sans doute pourquoi je
votre permission, mon père. Je vais prendre un peu de repos avant le souper. L'imagination va toujours d'un extrême à l'autre. Que signifie ce dernier trait? Je n'en sais rien, qu'importe. Petit accident. Pour une jeune personne aussi vertueuse.
Une fille moins fière ne se tourmenterait pas pour un cri. On ne quitte pas le monde par dépit. Je ne maîtrise pas le monde. Le monde est seulement pour moi comme un élément où je ne saurais vivre. Oui, mon père, c'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs et on verra ce dont je suis capable. N'appartient qu'à votre conscience de décider. Si l'épreuve est au-dessus de vos forces ou non. Oh mon père, c'est sur ce jeu, par pitié. Oh, par pitié. Fait le malheur de ma vie.
soi-même, c'est-à-dire de son propre détachement. Je vois que les sévérités de notre règle ne vous effraient pas. Une âme généreuse qui vous pousse au Carmel. Votre révérence m'ordonne-t-elle de parler tout à fait franchement? Oui! Eh bien, l'attrait d'une vie héroïque! L'attrait d'une vie héroïque! Ou celui d'une certaine manière de vivre qui vous paraît bien à tort, devoir rendre l'héroïsme plus facile, le mettre, pour ainsi dire, à la portée de la main. De nos calculs sont ceux que nous appelons des illusions. Je puis avoir des illusions, je ne demanderai pas mieux qu'on m'en dépouille. Qu'on vous en dépouille. Il faudra vous charger seul de ce soin, ma fille. Chacune ici a déjà trop à faire de ses propres illusions. Ma fille, les bonnes gens se demandent à quoi nous servons, et après tout, ils sont bien excusables de se le demander. Mais ma fille, nous ne sommes pas une entreprise comme fortification. Votre faiblesse.
elle n'est pas un refuge. Ce n'est pas la reine qui nous garde, ma fille. C'est nous qui gardons la règle. Dites-moi encore, avez-vous, par extraordinaire, déjà choisi votre nom de carmélite? À l'approbation. Mais sans doute n'y avez-vous jamais pensé? C'est fait, ma mère. Je voudrais m'appeler Sœur Blanche de la Colonie du Christ. Allez en paix, ma fille. Sergeant.
la débile enfance crée en soufflant sur ses doigts. C'était possible de lui passer avec un feu paré. C'était, je ne pense que pas la langue pour parir, mais je suis si contente. Ce cédille me rappelle la campagne et nos bons villageois. Thank you.
vie puisse racheter la vie de qui que ce soit. Vous êtes orgueilleuse comme un démon. Oh, oh, je vous défends. Oh!
moi franchement. Combien de temps, monsieur Javelino, me donnait-il pour un vivre? Entre tomber l'amour et des plus folles qu'il ait vu, il est craint pour le peu un passage long et difficile. Et d'entrer.
Et profaner l'autel fondé en
En dat was het eerste bedrijf van Dialogue des Carmélites van Francis Poulenc naar het gelijknamige toneelstuk van Georges Bernanos. We luisteren naar een recente muntproductie met deze bezetting. Patricia Petitbon, Blanche. Stanislas de Barberac, Le Chevalier de la Force. Sophie Pongiclis, Madame de Croissy. Véronique Jans, Madame Lidouine. Sophie Coche, Mère Marie. Sandrine Pillot, Sœur Constance. Nicolas Cavalier, Le Marquis de la Force. Guy de Mey, L'Aumônier. Nabil Suliman, Thierry Le Geôlier, Mireille Capel, Mère Jeanne, Angélique Noldus, Sœur Mathilde, Yves Salens, Premier Commissaire, Arnaud Richard, Second Commissaire, Symphonie Orkest en Koor van de Munt, Koor Academie, het geheel onder leiding van Alain Altinoglu. Blanche maakte de pijnlijke doodstrijd mee van de eerste priorin, hier vertolkt door mezzosopraan Sophie Pongiclis, die onverwacht moest inspringen voor een zieke Sylvie Brunet-Gruposo. En ze heeft dat fantastisch gedaan, intens en toch gedoseerd. In het vervolg van de opera slaat de existentiële angst nog meer toe bij Blanche. Haar broer, de Chevalier de la Force, komt haar bezoeken in het klooster en smeekt haar met hem mee te komen, omdat hij beseft dat het niet langer veilig is voor de kloosterlingen. Maar Blanche weigert. Mère Marie stelt de andere kloosterzusters voor een gelofte van martelaarschap af te leggen, waarop Blanche op de vlucht slaat. Maar in het laatste tafereel zal ze zich bij de andere zusters voegen en samen met hem het schavot bestijgen.
Hier is het tweede en derde bedrijf van Poulenc's Dialogue des Carmélites in die heerlijke muntproductie, gedirigeerd door Alain Altinoglu. Thank you.
Oh!
Que ce que je suis à cet instant même, un proscrit. Si ce qu'on raconte est vrai, ils vous tueront. S'ils vous reconnaissent. Ils ne me reconnaîtront peut-être pas. Vous vous déguiserez. Oui. Quels sont les ordres que nous avons reçus? Chère sœur Blanche, votre imagination s'échauffe toujours trop vive. Oui, mon enfant, assurez-vous, je resterai près de cette maison. Sous le corps.
clochette, il faut tout de suite regarder à la porte de la voie. Mais aillez me trouver qui, par une foule ou de patrouille. Je n'avais donc que ressource que rentrer ici. Je ne saurais que vous compromettre, il faut que je parte, lorsque le cortège sera rassemblé sur la place de la municipalité, et vous serez libre. Écoutez, il peut être trop attendu que deviendriez-vous mes filles s'il me prenait chez vous. Yeah.
sale dénonciateur. Thank you.
absolument.
rapidement prévenir le prêtre. Nous étions convenus qu'il devait célébrer aujourd'hui la Sainte Messe. Et je vois bien maintenant qu'il y aurait un seul autre de péril pour lui et pour nous. Vous ne le croyez pas, Mère Marie? Je me fie à votre évidence pour tout ce que je dois désormais croire ou ne pas croire. Je ne peux pas.
Thank you.
vous condamner à mort. Ce sera pour aujourd'hui, sans doute, ou demain. Que faites-vous, ma mère? Si plaît à Dieu de vous emmener.